Il fait beau, le terrain va être bon, d'accord, donc on fait les efforts tous ensemble, hein, on n'oublie pas ce qu'on a dit au niveau des consignes dans l'axe du milieu. Si on a l'engagement tout de suite, on va jouer dans leur camp, on va mettre tout de suite la pression, on va pas se mettre en danger hein, sur un ballon avec nos défenseurs sur le gros, on la met tout de suite dans le camp. Attention, on est pile, on n'est pas au départ, Eric, Coco, Junior, vous gagnez au départ. Et après, on aime ça, il n'y a personne qui cadre le porteur. Il faut bien Gérard, ouais. Gérard, il tire très très bien. Il est encore fait une passe dessus. Il a mis deux buts. Le deuxième, le dernier. C'est tenté.
Il va droit. Corner, allez. Bonjour, je suis le coach de Épinay Atlético. Aujourd'hui, on a joué contre Soisy en U19 en excellence. C'était un très beau match. Très pelouse assez difficile, mais dans l'ensemble, c'était un très beau match. Clairement, un match nul à l'extérieur, pour nous, c'est un bon résultat. Vu la physionomie des 40, des 10 dernières minutes, c'était un excellent match. Et voilà, quoi. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Ben, merci à toi aussi, et puis bonne saison, bon courage. Merci. Donc Ludovic, entraîneur des U19 de Soisy. Donc on vient de jouer contre Épinay-sous-Sénart en championnat, deuxième journée. Le score à la fin, un partout. Au niveau du match, la première mi-temps, on a eu du mal à rentrer dans la première mi-temps. On gagnait pas assez les duels, on laissait trop jouer l'adversaire. Du coup, on se fait sanctionner logiquement par l'adversaire qui ouvre le score. Ensuite, derrière, on a une belle réaction dans le jeu et l'adversaire a fait beaucoup de fautes et sur un coup de pied arrêté, à 5 minutes de la fin, on égalise logiquement. J'ai demandé après à mes joueurs à la mi-temps d'être 2-3 fois supérieurs à eux au niveau technique et dans le rythme pour faire la différence contre une équipe accrocheuse qui a beaucoup provoqué. Au niveau soit des fautes, au niveau de la parole, donc voilà, fallait vraiment être au-dessus dans le rythme et techniquement, ce qu'on a su faire. Et on s'est procuré 4-5 très belles situations qu'on n'a pas su concrétiser. On aurait aussi pu perdre ce match à la fin sur quelques contres l'adversaire, mais comme j'ai dit à la fin à mes joueurs, quand on n'est pas capable de gagner un match, au moins on fait le nécessaire pour ne pas le perdre. Voilà, donc un partout à la fin du match, c'est quand même un résultat intéressant par rapport à une équipe qui a gagné 6-0 le premier match. On ne perd pas de points, en tout cas par rapport à eux. La saison, elle est encore longue et j'espère qu'on sera un peu plus réaliste au prochain match du championnat contre la réserve de Fleury et on continue d'avancer, le championnat est long. Ok, Ludo, je te remercie et puis bonne saison à toi. Merci.